Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais éclairer un aspect fascinant de la gemmologie, la différence entre une pierre chauffée et une pierre non chauffée. Saviez-vous que le traitement thermique est l'une des rares méthodes autorisées pour améliorer les caractéristiques d'une pierre précieuse ? Cependant, il est crucial que ce traitement soit clairement indiqué lors de l'achat. En effet, une pierre chauffée de qualité équivalente à une pierre non chauffée coûte environ 50% moins cher. Le processus consiste à chauffer une pierre de qualité inférieure pour achever sa maturation, un processus naturel qui requiert normalement de haute température et une forte pression. Ce traitement améliore la clarté de la pierre en dissolvant les inclusions et par conséquent en rehaussant sa couleur. Par exemple, prenons le cas du saphir. Environ 85% des saphirs sur le marché ont été traités thermiquement. Cette technique ne sert pas seulement à améliorer la clarté, mais aussi à modifier la couleur de certaines pierres. Par exemple, l'améthyste peut se transformer en citrine et le zircon brun en zircon bleu. La tanzanite, quant à elle, chauffée à 99%, est une autre pierre intéressante. Ce traitement intensifie ses teintes bleues et violettes caractéristiques. Généralement, les pierres sont chauffées à l'état brut, car c'est à ce stade qu'il est plus évident de déterminer la nécessité du traitement. Il est extrêmement difficile de distinguer à l'œil nu si une pierre a été chauffée. Un gemmologue qualifié cependant peut souvent le détecter, que ce soit à l'aide d'une loupe ou en observant des nuances de couleurs qui ne sont pas naturelles, comme un bleu électrique pour un saphir ou un bleu profond pour une tanzanite. En cas de doute, je vous conseille de faire analyser votre pierre dans un laboratoire indépendant qui pourra non seulement confirmer le traitement, mais également vous fournir un certificat d'authenticité. Pour ceux qui envisagent d'investir dans les pierres précieuses, je vous recommande vivement de choisir des pierres sans aucun traitement. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et rester connecté pour de nouvelles vidéos passionnantes. À bientôt. Ciao.